Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Rétro Jeux. On continue la construction de notre petite borne arcade et aujourd'hui on va faire pas mal de petites modifications ou d'améliorations de la borne. Donc je vous montre ça tout de suite en vidéo. C'est parti! Donc comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo, j'ai fait quelques petites modifications et aujourd'hui donc on va s'intéresser surtout à la batterie de notre mini borne d'arcade. Donc avant de passer à la pratique, on va faire un peu de théorie. Je vais vous expliquer quel est le schéma que j'avais fait pour l'alimentation précédente. Donc on avait une batterie de 3,7 volts. Ici, on a le plus. Ici, on a le moins. Cette batterie était reliée à un interrupteur. Ici, on va le dessiner comme ça. On, off. Cet interrupteur était relié d'un côté sur un booster qu'on avait mis à 5 volts, l'autre côté sur un booster qu'on avait mis à 9 volts. Donc le plus, le moins toujours. Voilà, ça c'est la pratique. Sur ce booster, on avait mis le Raspberry Pi 3 et ici on avait mis l'écran LCD. Donc je vais vous expliquer quel est le souci sur ce schéma. Notre batterie 3,7 volts, elle fait 9000 mAh par heure. Mais cette batterie, sachez qu'elle ne fera jamais 9000. 9000, c'est bidon, c'est les Chinois qui mettent ça sur une batterie alors que c'est pas du tout la capacité. On va dire que la capacité maximale de la batterie, c'est 3000. J'avais pris en compte à la base la consommation du Raspberry Pi 3 qui est égale à 800. Et j'avais pris la consommation d'écran qui est égale à 260. Donc je m'étais dit, en théorie, 800 plus 260, ça fait 1060. Donc pour moi, on avait à peu près 3 heures d'autonomie. Mais sachez que ce calcul n'est pas du tout bon. Je vous explique. Le Raspberry Pi 3 consomme 800 mAh par heure, mais en 5 volts. L'écran LCD consomme 260 mA, mais en 9 volts. La capacité de voltage de notre batterie, je vous rappelle, c'est 3,7 volts. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, donc on va faire ce qu'on appelle une conversion en watt-heure pour voir la consommation exacte de tous nos produits. On a la batterie, donc je la redessine ici. On va faire 3000 en 3,7 volts. Et bien, le calcul, la formule de calcul pour obtenir la consommation en watt-heure, c'est, donc on fait le calcul de milliampères par heure fois le voltage divisé par 1000.
Et là, on obtient la consommation en watt-heure. Ça, c'est la théorie. Donc notre batterie, en fait, après le calcul, elle dispose de 11,1 watt-heure. On va maintenant refaire le calcul pour le Raspberry Pi. Le Raspberry Pi 3, donc je le rappelle, consommation 800. En plus, il fait des pics. Donc lorsqu'il y a beaucoup de consommation, lorsqu'il y a beaucoup de recherche, de choses à effectuer, il fait des pics à 2500. Donc, on va faire cette conversion. Et je le rappelle, c'est du 5 volts. On va faire cette conversion en watt-heure, ce qui donne, pour le Raspberry Pi 3, 4 watt-heure avec des pointes à 12,5. On va faire la consommation de l'écran LCD, donc 260 mAh en 9 volts, ce qui donne 2,34 watt-heure au minimum, sachant que nous, on était passé par un booster et qu'on avait mis à 9 volts, mais on pouvait mettre en 11 volts, etc. Donc si on additionne la consommation du Raspberry Pi 3, la consommation du LCD, et je n'ai même pas fait la consommation des boosters de volts, ni du petit voltmètre qu'on avait ajouté, ni de l'amplificateur audio, on a entre 6 watt-heure et 12 watt-heure. Donc voilà pourquoi j'avais un souci au niveau de l'alimentation de la mini borne d'arcade, puisque la batterie pouvait tenir au maximum une heure, vraiment au maximum, hein, puisque 11,1 c'est même en dessous de 12. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire un changement radical au niveau des batteries. Donc j'ai pris une nouvelle feuille et on va repartir sur une théorie. Donc notre but, ce serait de pouvoir alimenter directement l'écran LCD. Si vous prenez donc la petite notice qui est livrée avec, on peut voir qu'il fonctionne entre 9 et 15 volts. Et ici, on a la consommation que je vous ai précisée tout à l'heure. Donc, sachant qu'une batterie, fait 3,7 volts. Moi, je veux pouvoir obtenir le voltage nécessaire directement pour l'écran sans passer par le booster de volts. Donc, on va faire 3,7 volts fois 3 est égal à 11,1. Ça, c'est la capacité minimum de la batterie. Sachant que quand une batterie 3,7 volts, donc je vais vous la remontrer. Ici, là c'est du 3,7 volts, donc ça les milliampères c'est complètement bidon. La batterie, lorsqu'elle est chargée totalement, on obtient 4,2 volts, donc x 3 est égal à 12,6 volts. Donc ça c'est bon, puisque notre écran, je vous le rappelle, fonctionne entre 9 et 15 volts. Donc là, on va pouvoir directement alimenter notre écran, puisque entre 9 et 15 volts, on y est bien, puisqu'on est à 11,1 au minimum et à 12,6 au maximum. Donc ça rentre parfaitement pour la consommation de notre écran. Maintenant, le Raspberry Pi fonctionne en 5 volts. Donc on ne va pas pouvoir alimenter directement
Notre Raspberry Pi avec la batterie, puisqu'on va le griller directement, il doit fonctionner en 5 volts. Et je rappelle aussi l'amplificateur fonctionne aussi en 5 volts. Donc je vais vous montrer le schéma qu'on va faire pour pouvoir faire tout ça. Donc on va avoir trois batteries comme celle-ci. Donc une batterie. Là, à chaque fois que vous avez ce côté-là, ça correspond au côté plus de la batterie. Donc c'est comme une pile. Le côté où vous avez le petit bout qui sort, c'est toujours le plus. Pour pouvoir relier trois batteries en même temps, on va les relier ce qu'on appelle en série. Donc trois batteries, ici le plus, le moins. Une deuxième batterie qu'on va mettre dans l'autre sens. Et une troisième batterie qu'on va remettre encore dans l'autre sens. Donc on peut mettre des batteries soit en série, ici c'est en série, on va relier le plus, le moins, le plus, non ça on va pas le faire, on va relier le plus, le moins, le plus, donc là on a relié nos batteries. On a additionné le plus et le moins et le plus. C'est comme si qu'on avait mis nos batteries en fait comme ceci. Voilà, les unes à côté des autres. Et si on prend avec notre voltmètre le voltage d'ici qui est le moins, le voltage d'ici qui est le plus, on obtiendra 12,6 volts. Donc là, ici, on aura le plus, et ici, on aura le moins. Maintenant, vous allez me dire comment on va pouvoir charger les batteries à l'aide de notre chargeur USB, puisque le chargeur USB que je vous ai recommandé dans la vidéo, et bien ici, il ne fonctionne que pour une batterie. Donc en théorie, on pourrait relier le chargeur USB sur une batterie, sur une deuxième batterie, sur une troisième batterie. Maintenant, je vais vous expliquer, il y a un souci par rapport à ça. Donc, je vais refaire un schéma. Ici, donc, vous avez, je vais le faire en plus gros, comme ça on verra bien. La première batterie. La deuxième batterie. La troisième batterie. Donc, on a relié là. Si on a le plus, si on a le moins. Le souci, c'est que si je mets un chargeur de batterie donc sur le plus et le moins, en fait, on va avoir un souci, c'est que ici le plus correspond au moins, le moins correspond au plus, etc. Donc si je raccorde directement le chargeur USB sur chaque batterie comme ça, on va avoir un court-circuit puisque ici le chargeur USB, donc ici je fais une petite prise USB, le deuxième chargeur USB en théorie on devrait le mettre ici, ici on a le moins, ici on a le plus, et donc si on fait ça on va avoir un court-circuit puisque le plus du chargeur USB, le plus ici va être relié au moins et donc on a un court-circuit. Donc pour éviter cela, il faudrait qu'on puisse mettre un interrupteur qui coupe l'alimentation entre les batteries lorsqu'elles sont en charge, ce qui nous permettrait de les charger. Maintenant, on ne va pas s'amuser à mettre un interrupteur à chaque fois qu'on va décider de charger les batteries. On va dire je coupe l'alimentation pour éviter le court-circuit, et alors si on oublie de faire ça, on va avoir nos batteries qui vont griller, elles vont se décharger et il y a un risque d'explosion. Donc j'ai acheté un petit module qui est un isolant, tout simplement. Donc je vais vous montrer
c'est la petite notice qui est avec. Donc le composant et le composant donc B055S1W, donc 1W comme 1 watt. Il y a 4 broches. Donc la première broche, c'est le GND, donc celle-ci. Vous avez la deuxième broche qui est le voltage IN. Vous avez la troisième broche qui est le voltage moins. Et la quatrième, le voltage plus. Donc le but, ça va être de mettre ce petit truc. On va mettre le plus de la batterie. Je vais le redessiner. Donc le plus de la batterie va être sur le voltage IN. Le moins de la batterie va venir sur le ground. Et ici, on va pouvoir mettre... On va mettre le moins de la batterie qui va aller sur le chargeur moins. Et le plus qui va aller sur le chargeur plus. Donc ça paraît un peu brouillon tout ceci, mais on va le faire ensemble et je vais vous montrer que ça fonctionne. On va passer de la théorie à la pratique. Voici ma petite borne. Voici les trois batteries que j'ai pu mettre en série. Le plus, le moins, le moins, le plus, le moins, le plus et le moins. J'ai relié le moins et le plus de la batterie ici. Le moins et le plus de la batterie ici. Ici, j'ai donc le plus de ma batterie. Donc étant donné que j'ai relié mes trois batteries, si je prends le câble plus et le câble moins ici, que j'ai en blanc, je devrais obtenir, en théorie, on a vu tout à l'heure, environ 12,6 volts. Là, les batteries sont chargées. Je relie le plus et le moins. Et donc là, on peut voir que j'ai 12,6. Donc exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai additionné le voltage des batteries donc en les reliant en série. Alors maintenant, je vais vous montrer ici comment on va installer tout ça. Donc vous allez... Je vais tout retirer, de toute façon je vais recommencer pour vous montrer. Et ensuite on le fera en finale sur le projet. Donc j'ai relié trois chargeurs de batterie, donc comme ceci. Je vous en avais dit de commander un dans le projet, eh bien, il y en fera trois. Vous avez le premier chargeur de batterie qui est relié au plus et au moins de la première batterie. Le deuxième, donc là vous prenez bat plus et bat moins. Vous le reliez à la deuxième batterie et le troisième, vous le reliez aussi à la troisième batterie. Et donc on va isoler tout ça pour le chargement. Donc ici, ça s'appelle une plaque d'essai. C'est ce qui permet de faire des essais en électronique sans devoir souder. Donc je vais prendre ceci, donc que j'ai démonté sur un appareil, qui me permet simplement de relier un adaptateur. Et donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est un adaptateur 5 volts, 2000 mAh, puisque nos chargeurs USB fonctionnent en 5 volts. Donc je relie ça ici, j'obtiens un plus et un moins qui sort d'ici. Donc le plus et le moins, on va le mettre ici, le moins. Ici, on met le plus. Donc ici, j'ai le ground et ici, j'ai le voltage. On va maintenant devoir alimenter nos trois chargeurs USB. Donc pour cela, on aura besoin de deux petits modules comme ça. Donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous ne le retrouvez pas. On va prendre la petite documentation que j'ai trouvée sur Internet donc concernant ce petit module. Et donc on va le relier comme il est précisé ici. Donc... Le premier, on va le mettre
juste ici. Et le deuxième, on va le mettre juste ici. Vous allez me dire pourquoi tu en prends deux alors qu'il y a trois chargeurs USB. Tout simplement parce que le premier chargeur USB, on va le relier directement au plus au moins qui arrive ici puisque c'est du 5 volts. On va prendre ici nos trois chargeurs USB et on va venir les relier. Donc le premier, on peut directement l'alimenter le plus et le moins. Donc on a le plus et le moins 5 volts qui arrive ici, qui va directement aux 5 volts du premier chargeur. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Maintenant, comme on avait dit, pour éviter les courts-circuits, il faut pouvoir couper l'alimentation entre les chargeurs. Donc on va relier, comme il est indiqué ici, on va relier le premier. Donc il est sur le 5. On va les mettre plutôt comme ça. On va relier au moins. Maintenant, on nous demande un plus 5 volts. On va venir le chercher là. Donc si vous avez l'entrée qui est faite, on va faire pareil sur le second. Donc le ground. Alors ici, j'avais plus de câble rouge, j'ai pris un câble orange. On met le plus. Voilà, donc on a maintenant le 5 volts qui part de notre chargeur secteur, qui va sur les deux modules ici, et qui va aussi sur le premier chargeur USB. On va maintenant devoir prendre les 5 volts sur ces deux modules. Donc pour cela, c'est très simple. On prend nos deux chargeurs USB qu'on a reliés à nos deux batteries. Et on va venir donc les mettre, comme précisé sur la documentation, le plus qui est ici. On relie le moins, donc juste ici. Maintenant, on va prendre le plus du troisième chargeur. Donc on va le relier au plus de notre petit module. Et le moins, on va le mettre sur le moins. Donc maintenant, il nous reste à voir si ça fonctionne d'amener du 5 volts et qui va se diviser en 5 volts en trois parties sur nos trois chargeurs USB. On va tester ça tout de suite. Donc je prends mon petit chargeur 5 volts. Je le branche juste ici. Et je vais venir le brancher sur ma prise secteur. Et on va voir tout de suite si ça s'allume. Alors en bleu, on a la première batterie qui est déjà chargée, donc elle ne charge pas. Et les deux autres batteries sont rouges. Elles se mettent en charge puisqu'il manque peut-être 1 mA. Donc elles vont aller jusqu'à 4,2 volts, jusqu'à obtenir le voltage donc maximum de la batterie. Et lorsque ce sera chargé complètement, on a nos deux petits modules ici qui vont s'éteindre. Donc comme vous avez pu le voir ici, vous avez la petite LED qui s'est mise en bleu. Donc ça veut dire que la seconde batterie est chargée. Donc dans quelques temps, la troisième batterie sera chargée. Vous allez me dire pourquoi, RetroJeu, tu n'as pas mis directement une alimentation 12 volts pour charger les trois batteries. Sachez que des batteries LiPo ou Li-ion, dans ce cas-ci, vous devez toujours les équilibrer. C'est-à-dire que si vous chargez, vous mettez directement 12 volts sur les trois batteries, vous avez forcément une batterie qui va prendre plus de charge que l'autre et vous avez aussi un risque d'explosion. Donc pour éviter cela, on va toujours équilibrer les trois batteries pour qu'elles aient la même charge toutes les trois. Donc on va maintenant pouvoir venir tester notre voltmètre. Rappelez-vous, on voulait intégrer celui-ci à la borne. Et l'avantage donc de ce voltmètre, c'est qu'il peut tester plusieurs batteries en même temps. Et donc comme c'est le cas pour notre borne, on va pouvoir le relier. Donc on va, dans un premier temps, juste le tester. On va mettre le ground donc sur le moins de notre batterie.
Et on prend maintenant le plus et on le met sur la batterie. Et on va voir, il devrait s'allumer et détecter qu'il y a une batterie. Donc il s'est bien allumé. Et ici, il a détecté donc 4,19 volts. Hop. Voilà, 4,19 volts. Vous allez me dire maintenant comment on fait pour tester les autres batteries. Eh bien, c'est très très simple. Vous devez simplement relier tous les plus sur le voltmètre. On a maintenant les trois batteries qui sont détectées. Donc numéro 1, 4,19, numéro 2, 4,20 et numéro 3, 4,12. Et au total, on a 12,5 volts. Donc les trois batteries sont bien détectées par notre voltmètre, qui nous permettra de surveiller en permanence quel est le voltage de nos trois batteries. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir intégrer ça dans notre borne d'arcade. Donc je viens de terminer de souder toute la partie alimentation. Donc on aura le courant, je brancherai juste deux câbles ici pour pouvoir faire la charge. On a maintenant la batterie qui se charge. Et donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, j'ai fait trois petits trous à l'arrière, ce qui me permettra de voir en direct la charge des batteries. Donc lorsque je vais brancher le câble, donc je ferai certainement un trou sur la borne pour mettre cette petite fiche à l'arrière qui me permettra de charger la borne, et donc j'aurai un voyant bleu ou un voyant rouge si la batterie est chargée ou non. Donc bien sûr, quand je mettrai le sticker final, il me restera juste à percer trois petits trous pour voir l'état de charge des batteries. Donc j'en ai profité en même temps, vous avez pu le voir aussi certainement sur la petite vidéo, que j'ai testé aussi l'écran, donc il s'allume parfaitement avec notre alimentation. Donc on a maintenant les batteries, on a les chargeurs USB, on a tout le nécessaire pour la charge. Il nous reste maintenant à relier donc le voltmètre intégré à notre borne d'arcade, donc il nous permettra de savoir en direct quel est le voltage des batteries. Et lorsqu'on allume la borne, on a bien donc les trois batteries qui sont détectées. On va maintenant pouvoir s'occuper de l'alimentation du Raspberry Pi. Donc on a actuellement notre alimentation en 12,6 volts. Et rappelez-vous, donc j'avais précisé que le Raspberry Pi fonctionnait en 5 volts. Donc attention, ne branchez pas votre Raspberry Pi en 12,6. Puisque si vous le faites, vous allez le cramer. Donc on va avoir besoin d'un abaisseur de tension. Donc c'est la même chose qu'un booster de volts, sauf que celui-ci va baisser. Donc c'est-à-dire qu'on va passer de 12,6 volts à 5,1. 5,1, c'est le voltage nécessaire pour le Raspberry Pi 3. Et pour cela, donc, vous aurez besoin d'un abaisseur de tension donc, comme celui-ci. Donc ça fonctionne exactement comme un booster. C'est-à-dire vous avez le voltage in qui arrive ici en 12 volts et ici vous avez le voltage sortant donc qui a été abaissé à l'aide de cette petite molette. Donc on va dans un premier temps souder ce composant et ensuite on viendra le régler à l'aide de notre petit multimètre. Donc pour cela c'est très simple, on prend un câble noir et un câble rouge. Et on va venir le souder sur la partie IN. Donc le IN+, il est ici.
et le in moins. Et le in moins, on le met juste ici. Voilà, donc on a soudé les deux câbles. On va maintenant pouvoir le brancher directement sur notre interrupteur afin de l'allumer uniquement lorsqu'on allume l'interrupteur. Donc on vient souder le câble noir ici. Et le câble rouge juste là. Voilà, donc lorsqu'on va allumer la petite borne d'arcade, l'abaisseur de tension va se mettre en route. Maintenant, attention, il ne faut pas brancher le Raspberry Pi tout de suite parce qu'il n'est pas réglé. On prend le multimètre. On vient brancher un câble sur le Out plus et un câble sur le Out moins. Et on va venir allumer la borne pour voir le voltage donc, qui apparaît sur l'abaisseur de tension. Donc là, vous voyez, heureusement qu'on n'avait pas branché le Raspberry Pi, puisqu'on est à 7,2 volts. Donc il est beaucoup trop pour le Raspberry Pi 3. Hop, on va venir simplement prendre un petit tournevis plat. Et on va tourner la molette de façon à avoir 5,1. Donc vous voyez, c'est très sensible. On descend jusqu'à 5,1. Voilà, on est parfait. On est à 5,10, le voltage qui est très bien pour le Raspberry Pi. On peut maintenant éteindre la borne. Et on peut maintenant brancher le Raspberry Pi. Rappelez-vous, les câbles d'alimentation, je les avais mis juste ici, donc au niveau du port d'entrée de l'alimentation. J'ai mon câble rouge, mon câble blanc. Je vais simplement venir les souder, donc au out- et au out+. Voilà. On vient mettre le petit abaisseur de tension juste là, on a pile poil la place. Je viendrai le coller lorsque la borne sera terminée. On vient rebrancher le tout et on va tester pour voir si tout fonctionne parfaitement. Alors donc rappelez-vous, on avait toujours le petit carré qui apparaissait en haut à droite, ce qui signifiait qu'on avait une alimentation qui n'était pas très stable. Et là, il semble que le petit carré n'apparaisse pas. On va aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Donc on a notre petit voltmètre en même temps qui fonctionne. Ça, c'est vraiment plutôt bien. On peut surveiller en permanence le voltage des trois batteries. Voilà, donc on arrive sur émulation station. On n'a pas le petit carré qui apparaît. On a notre Raspberry Pi qui fonctionne parfaitement. Le son est nickel. Hop. Voilà, on a maintenant un son qui est nickel. On va pouvoir le rabaisser. Et donc, on en a terminé. Enfin, on a une alimentation qui fonctionne parfaitement. Donc, d'après mes calculs, on aurait plus ou moins 3 heures d'autonomie. Je ferai peut-être un test dans les dernières vidéos pour voir exactement quelle est l'autonomie de notre petite batterie. Mais sachez que j'ai beaucoup galéré pour essayer de trouver un système qui fonctionne parfaitement, aussi bien au niveau de la charge, aussi bien au niveau de l'écran, aussi bien du Raspberry Pi. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Donc j'espère que vous mettrez des pouces bleus sur ma vidéo. Ça me motivera pour la suite. Cette partie de tuto est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je ferai toutes les finitions. On m'a beaucoup parlé du joystick qui dépassait, qui cachait un peu l'écran. Je vais m'occuper de ça, je vais le changer. Donc je vais revenir sur le joystick d'origine,
que je vais adapter sur quelque chose. Je vous montrerai ça dans la prochaine partie. Et donc, la prochaine partie sera la dernière pour cette construction de bande d'arcade. Je ferai aussi les sticks, donc tous les sticks de décoration. Et j'ai beaucoup aimé faire ce tuto avec vous. J'espère que vous avez apprécié mes vidéos. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Rétro Jeux. Ciao, ciao.